Salam alaikum les amis, aujourd'hui 152e jour de l'aventure réveil à Dakar. Je viens d'arriver à la gare routière de Goulistan. Alors, il n'y a pas de quai ici, hein. C'est à vous de vous débrouiller. Il y a des bus qui passent le long de la route, il faut demander. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va faire une sortie en dehors de Dakar. On va déjà essayer de sortir de la ville, hein. Ça va être le challenge, trouver le bon bus. Normalement, ça devrait le faire. Il y en a pas mal là qui passent, les bus parfois s'arrêtent même pas en fait. Vous savez, il y a un gars qui est du côté de la porte qui tape le nom de la destination, vous montez en roulant et c'est parti. Alors le bus va pas directement où je veux aller, aujourd'hui je veux aller à Panam City ou Sonargon. Panam, Panam comme la ville de Paris, mais ouais, ici il y a aussi un Panam. Normalement ça devrait être un petit peu la campagne, ça devrait être cool. Voilà, c'est parti, on va aller chercher un bus. Ok boss. Ok. Thank you. Thank you. Je viens d'arriver à Panam City les amis. Alors finalement ça a été assez rapide, hein. Depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai demandé à un premier chauffeur de bus, il me dit non, faut que tu traverses la route, les bus partent dans l'autre sens. Alors j'ai traversé la route, ça a pris 2 minutes, je suis arrivé, j'ai demandé à un gars, il me dit oui oui on y va, monte dans le bus, c'est parti. J'ai acheté un ticket à 47 taka seulement, ce qui doit faire 50 centimes ou un petit peu plus de 50 centimes. Et finalement on est sorti assez rapidement de la ville de Dakar. De toute façon les bus ils bombardent comme des malades, vous avez vu. Je suis d'abord arrivé donc au grand carrefour là à Sonargon. J'ai pris un rickshaw pour venir ici pour faire les 3-4 km et je viens d'arriver donc à Panam City, un des quartiers de Sonargon, même si c'est un peu la campagne et voilà, il y a quelques villages autour. Sonargon, c'est une ancienne capitale, je crois jusqu'en 1603, où là ils ont déplacé la capitale à Dakar. C'est une ville qui a énormément prospéré et le quartier de Panam City, en fait c'est essentiellement une grande rue avec de très très belles demeures d'anciens riches marchands hindous. Et quand il y a eu la partition des Indes en 1947, ces riches marchands hindous évidemment ont fui le pays et sont allés se réfugier en Inde. Donc il y a beaucoup de maisons qui ont été abandonnées ou récupérées par des domestiques, mais pas forcément bien entretenues. Mais il y a une très très belle architecture, on va aller découvrir tout ça dans un style moghol, un style colonial pour les maisons un peu plus récentes. Ça a l'air très très joli pour l'instant. Évidemment je me suis posé dans un petit tea shop et puis on va aller découvrir le quartier de Panam City. Thank you.
Je viens de terminer la visite de Panam City les amis, alors c'était très très chouette. Il y a un ticket d'entrée à payer, c'est 100 tacas, qui fait à peu près 1 euro. Alors c'est un site touristique, même si c'est pas forcément très très bien entretenu, hein. Vous avez vu, il y a pas mal de détritus, de plastique à traîner, des jeunes qui grimpent sur les maisons pour aller sur les toits. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais il y a de très très belles architectures. Et oui, malheureusement, il y a quand même une partie des bâtiments qui sont voilà, pas en très très bon état. C'est vrai que c'est une seule rue, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Et puis surtout, c'est très touristique avec les Bengalis. Il y a énormément de familles là, qui sont là à se balader, ou d'amis. Même quelques classes, je pense qu'il y a des voyages scolaires qui sont organisés ici. C'est bien, c'est très animé, il y a pas mal de gens. Et évidemment, j'étais le seul touriste étranger ici, donc j'ai dû faire aller 50 millions de selfies. Je suis juste à la sortie, je viens de m'arrêter là. Je suis en train de siroter un Coca-Cola et je me suis trouvé des petits rochers. Alors là, c'est écrit macaron, coconut macaron, mais j'appelle ça des rochers chez moi, des rochers à la noix de coco. J'adore ça, c'est trop bon. Alors, ils sont pas aussi bons que ceux que ma mère elle fait, hein, ça c'est clair, mais ça fait quand même plaisir, une petite douceur, la noix de coco, petit gâteau comme ça, très très bien. Quelques chiffres sur le tourisme au Bangladesh. J'ai essayé de faire quelques recherches. Alors, les chiffres varient, hein, d'un site à l'autre. C'est le chiffre à peu près que j'ai trouvé le plus souvent. L'année dernière, en 2019, c'est 267 000 visiteurs ici au Bangladesh. Et dans visiteurs, il y a probablement des gens qui sont venus faire du business. Et c'est beaucoup d'Indiens, hein, qui viennent au Bangladesh. 267 000 visiteurs, autant vous dire que c'est rien du tout. Le Bangladesh est l'un des pays les moins visités au monde. Pour vous donner un ordre d'idée, la Thaïlande, par exemple, où j'étais juste avant, c'est quasiment 40 millions de touristes. L'année dernière, c'est à peine, je crois, 40 millions. La France, 89 millions. La France est sur le podium depuis plus de 15 ans, je crois. 89 millions de touristes en France. धन्यवाद चिकन पास्ता चिकन व्हाइट पास्ता चिकन ओपन पास्ता restaurant pour aller manger. Dans la première salle, il y avait...
Dans la première salle, il n'y avait personne, il y avait une deuxième salle derrière. Ici au Bangladesh, il y a beaucoup de restaurants qui sont divisés en deux parties. Il y a une partie pour les familles ou pour les femmes seules, j'allais dire qui sont mises à l'écart, mais qui sont séparées. Voilà, c'est pour avoir de l'intimité quand on est en famille ou entre femmes. Tout le menu était en bengali. Donc le gars a commencé à traduire un petit peu. Il voulait juste une assiette de riz sauté, riz frit. Il m'a ramené un plat, mais un truc énorme. Je sais pas si vous vous souvenez, au Vietnam, j'ai eu quelques assiettes de riz sauté qui étaient assez balèzes. Mais là, c'était un plat, mais carrément une pelle pour servir. Il y en avait pour trois, franchement. J'ai réussi à tout manger, mais là, je pense que pour le reste de la journée, je vais plus rien avaler. Sauf là, je viens de prendre un petit thé. J'ai trouvé une petite, petite barre chocolatée, une pâle copie de... Comment, Kit Kat, ça s'appelle Hello Kitty, c'était dégueulasse. Il n'y a aucun goût de chocolat, il y a un goût de matière grasse, petit végétaline, je sais pas quoi. C'est dégueu, vraiment c'est dégueulasse. Oui, l'assiette de riz, j'ai payé 220 takas, 2,30€ ou 2,40€. C'est bien, hein, c'est très bon, c'est tout simple. Mais ouais, le gars, il s'est enflammé en me ramenant un plat, mais de ouf. Bref, tout ça pour dire que je suis calé. J'ai fait plus ou moins le tour là du Carrefour. Ah, c'est pas folichon hein, comme ambiance. Donc je pense que je vais reprendre un bus et puis reprendre la direction de Dakar. Bulistan versus Tan, Dakar. Bulistan? Yeah. Hey, Jay. Hey, Stud! Hey, Stud! Danyavad. Hey, Jay. Bulistan? Thank you. Me voilà de retour dans la frénésie de Dakar. Il est 17h. Alors, je voudrais pas me coucher trop tard ce soir puisque demain je quitte Dakar. Il va falloir que je me lève très tôt demain matin. Donc, je vais faire un petit tour là dans le quartier. Je sais pas trop, je pense que ça sera assez animé. Je pense qu'il y aura pas de dîner pour ce soir puisque j'ai encore l'assiette de riz qui me calme bien le bide. Alors, je viens de m'enfoncer dans un bazar, Siddiq Bazar, petite ruelle très étroite avec des bâtiments qui font 3 ou 4 étages. En fait, on voit même pas le jour. Bon, il fait quasiment nuit, mais on a l'impression ouais, d'être confiné là dans ces petites ruelles. Et je voulais pas expliquer, mais depuis 2 jours que je suis ici, je pense que vous l'avez vu à travers les images. Les quartiers sont organisés par spécialité, par profession, par corporation. Siddiq Bazar, c'est le quartier
des chausseurs, des tanneries, il y a pas mal de marchands de cuir, pas mal de marchands de semelles, de lacets, il y a tout ce qu'il faut là pour faire des chaussures. Il y a des petits ateliers où on fabrique, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez le modèle en bois pour faire la chaussure dessus, c'est très typique. Là, il y a déjà pas mal de gens, vous voyez, à côté qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'il fait à parler à sa caméra. C'est très intéressant, puis surtout, il y a peu de circulation ici, donc c'est relativement calme au niveau du bruit. C'est très, très agréable. C'est la fin de journée, il y a quelques boutiques qui commencent à fermer, on transporte toujours un peu de marchandises sur l'épaule. On va explorer un petit peu là, le quartier de Sidik Soudik. Sidik Bazar. Sidik Bazar. Sidik Bazar. Sidik Bazar. Jill. La journée va se terminer ici les amis sur mon stand de thé préféré. Oui, au bout de 3 jours j'ai déjà mon stand de thé préféré ici à Dakar, puis surtout la baie à côté, il est vraiment génial. Tous les matins là, j'arrive, il essaie de m'apprendre quelques mots de Bengali. J'ai commencé la journée ici ce matin, hein, j'ai pas filmé mais j'étais ici bien sûr. Je me rajoute toujours plein de trucs dans mon thé, des cacahuètes, des graines de chia, du gingembre, plein de trucs. Là je prends un thé rouge, enfin c'est le deuxième thé rouge que je prends. Il m'a mis un thaï de gingembre, des graines de chia, c'est franchement trop trop bon et puis il est vraiment excellent. Le rickshaw que j'ai pris pour rentrer, j'étais à 2-3 km la plus au sud. Le chauffeur de rickshaw, je lui dis voilà, je vais à Motijil, je lui donne l'adresse de mon hôtel. En fait il connaissait pas. Et il y a un Bengali qui arrivait juste à côté là, qui parlait anglais, qui connaissait l'adresse de mon hôtel, donc il lui a expliqué et tout. Une fois qu'il a expliqué, je me suis retourné donc vers le chauffeur de rickshaw, je lui dis voilà, dame koto, combien tu prends pour la course? Et le gars qui était là, qui lui avait expliqué l'adresse, il dit non, mais je négocie pour toi, t'inquiète et tout. Et j'entends le rickshaw qui dit au départ 100 roupies, et lui il tchatche et tout, il se retourne vers moi, il me dit non, tu lui donnes pas plus de 70, c'est ce que ça vaut vu la distance. On s'est enfoncé dans un dédale de ruelle, mais une espèce de galère, franchement. Il y a un moment, on est resté bloqué pendant 20 minutes, on n'a pas bougé, on a trop chié, rickshaw, voilà, là. Et en fait, j'ai abrégé les souffrances, je suis descendu un petit peu avant, là, je lui dis c'est bon, arrête là, je descends. Je lui ai donné plus que ce qu'il avait demandé lui au départ. Je lui ai donné plus de 100 roupies en lui tapant un petit peu voilà, de manière amicale sur l'épaule en lui disant écoute, ouais, chapeau, parce que voilà, c'est chaud ce que tu fais. Ouais, à chaque fois que je descends du rickshaw, j'ai envie de prendre le gars dans mes bras et lui dire ouais, t'inquiète, demain ça ira mieux, tu vois. Tellement c'est quand même super chaud. Demain, les amis, on quitte Dakar. Voilà, c'était la dernière journée aujourd'hui à Dakar. Je pense que ouais, 3 jours c'est suffisant ici à Dakar. Demain, on prend la direction de Sri Mongol. Sri Mongol, petite ville, ça devrait être très tranquille.
tranquille. J'y suis allé à mon premier voyage en 2006. J'y suis jamais retourné depuis. Et il y a à peu près 5 heures de bus pour y aller. Je ne sais pas encore de quelle gare routière partent les bus. Il y a pas mal de gares routières ici à Dakar. Hein. La ville est grande. Il faut que je me renseigne. Je ne vais pas trop traîner. L'hôtel n'est pas très loin. J'ai surtout en plus beaucoup filmé aujourd'hui. Je pense que je ne mettrai pas tout. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Bangladesh, ciao, good night. Well, you don't know how to call a name? No, I don't.